Comment ça va les amis? Moi en tout cas ça va pas très bien. Parce que toute la semaine j'étais malade, mais bon, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui j'ai vu quelque chose qui m'a un peu énervé sur les réseaux, Instagram plus précisément. C'est le 31 octobre, donc aujourd'hui à l'heure où je commande ça. Il va se passer un truc la nuit, je sais pas si c'est vrai, si c'est des rumeurs à cause d'une blague. Et franchement c'est vraiment débile, c'est débile, je sais pas comment on peut imaginer ça. Genre, les mecs se sont cru, ils ont cru que c'était un film la vraie vie. Ils ont cru que la vraie vie était un film, ça qui me rend ouf. Donc là, je vous explique un peu. Donc à cause d'une blague d'une personne, bon la blague elle est un peu débile, mais bon je l'avoue. À cause d'une blague, bah des personnes ont vraiment cru, sont vraiment appliquées dedans. Si vous avez pas vu le film American Nightmare, voilà, c'est à propos de ça, la purge. Ça s'appelle la purge, c'est-à-dire tout le monde sort dehors et font leur contre. Ont leur contrat à régler, tout ça, ils font leur bail. Et c'est un film, les mecs, c'est un film. C'est un film, c'est un film, je le répète, c'est un film. C'est pas la vraie vie. À la fin du film, il y a écrit fin. Il y a le générique, c'est fini. Dans la vraie vie, il n'y a pas écrit fin, il y a le générique, c'est fini. Dans la vraie vie, tout ce que tu fais, ça a un impact pour la suite. Je crois que j'ai même mal dit le mot impact. Voilà, c'est un impact pour le. Excusez-moi, je suis malade. Hein. C'est un impact pour la suite de la vie. Voilà, du monde. Donc, arrêtez de faire des débiles à croire que la vraie vie, c'est un film. Je vais vous montrer les vidéos. Alors, les vidéos que j'ai vues, c'est une personne qui parle. J'ai oublié comment il s'appelle, je crois, sur Instagram. J'ai oublié. Excusez-moi. Donc, voilà, donc ça se peut qu'il n'y aura pas beaucoup de cuts sur cette vidéo. Je veux juste que vous partagez ça au maximum avant que, à ce qui paraît, c'est 22h. Mais moi je prie pour que c'est faux. Je prie pour que c'est faux. En tout cas moi je fête pas Halloween. Donc pour les gens qui fêtent Halloween, faites attention à vous. Sortez pas tard. Sortez pas tard. Surtout dans les quartiers, etc. Évitez, parce que les gens ils sont fous. Les gens ils sont fous. Moi je vous dis, hein, les gens ils sont fous. Les gens ils sont fous. Ils sont fous. Déjà juste pour inventer ça, pour avoir l'idée de faire ça, faut être con. Et en plus les gens, quand tu vois dans la vidéo que je vous montrais tout à l'heure, ils s'impliquent dedans, ils s'impliquent. Genre ils ramènent les armes et tout, mais c'est des fous. C'est des fous. Voilà, bon, je vais vous montrer la vidéo. Les âmes sensibles, évitez de regarder la vidéo. Même s'il n'y a pas de pour les âmes très très sensibles là qui ont peur de. Voilà, mais bon. Normalement, il n'y a pas de truc, vous en faites pas, il n'y a pas de truc qui fait peur, etc. Voilà, donc allez checker la vidéo. Je vous retrouve à la fin. A tout à l'heure. Vidéo parce que je tenais à vous préciser que cette vidéo qui tourne depuis hier à propos de la purge ne se passe pas en France et elle date d'il y a longtemps. C'est aux États-Unis, ça part d'une série américaine. La personne en France, l'adolescent qui habite à Grenoble, s'est inspiré de ça pour y faire une blague. Au final, il y a des personnes qui vont faire ce genre de post pour vous impressionner et on ne sait pas qui est qui, c'est-à-dire que vous pouvez marcher dans la rue et vous faire agresser ou je ne sais pas, violer, etc. Comme on dit, la famille, mieux prévenir que guérir. Et ça part d'une blague, mais il y a des personnes qui sont mauvais à l'intérieur d'eux et qui seront tentées à le faire. Donc prenez vos précautions et cela se passe dans toute la France pour répondre aux questions. Allez la famille, faites attention à vous s'il vous plaît. Je fais cette vidéo parce que je tenais à vous préciser que cette vidéo qui tourne depuis hier à propos de la... Je fais cette vidéo suite à ma dernière publication que j'ai pu publier hier, qui est toujours disponible sur mon mur Instagram et que vous pouvez toujours visualiser. Je vais parler de la purge d'Halloween, le 31 octobre donc, cela va se passer demain soir. Cela va commencer quand le soleil se couchera ou à partir de 22h, ça dépend des villes. La purge de base est une série américaine et un adolescent en France a voulu faire une blague sur Snapchat qui a fait le tour de la France, donc toutes les villes de France sont au courant. Mais je vois pas comment on peut faire une blague en parlant de meurtre, en parlant de viol, en parlant de lynchage et j'en passe. Suite à sa soi-disant blague, le mec en France qui l'a organisé est en garde à vue, mais cela aura des lourdes conséquences sur des personnes qui vont subir cette purge-là parce que ça a donné des idées à certaines personnes qui, au final, vont l'appliquer. Font des photos avec des armes, etc. et tout, mais vous allez voir, lors des faits divers, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, la famille, faites attention à vous. Et comme on dit, mieux prévenir que guérir. Gardez les publications aussi en défilé, la famille. Et s'il vous plaît, faites attention à vous. Je fais cette vidéo suite à ma dernière publication. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la purge. Comme beaucoup le savent, c'est parti de mon snap. C'est moi, j'ai, entre guillemets, créé la purge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, j'ai mis...
une story avec des règles, ce genre de trucs, et ça a fait le tour de la France en l'espace de 2 heures. À la base, c'était une blague, sauf que les gens l'ont trop pris au sérieux. C'est remonté jusqu'au keuf, ça a fait vraiment une grosse histoire. Il y a même des chaînes télé qui m'ont contacté, il y a des journaux qui m'ont contacté pour des interviews. Franchement, c'est un truc de ouf. Alors, si j'ai un message à faire passer là, c'est que c'était une grosse blague, que ça sert à rien de vous affronter, de monter des équipes. À tous les jeunes des quartiers, à toutes les personnes tout court, ne faites absolument rien. Ça sert à rien, c'est de la merde. Maintenant, tous ceux qui ont des questions ou tous ceux qui veulent voir que c'est une vraie blague, vous pouvez venir sur Snap, sur mon Snapchat, regarder ma story, voir que c'est une blague de ouf, je relaye tout. Et vous pouvez même me poser des questions en privé, je répondrai à tout, il n'y a aucun souci. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la purge. Comme beaucoup le des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Comme vous avez pu le voir, des gens sont malades. Les gens sont malades. Le mec il disait très bien, c'est pour ça que j'ai pas commenté par-dessus, parce que le mec il disait très bien, il disait, voilà, il parlait bien, etc. Donc j'ai pas voulu commenter par-dessus, parce qu'il le faisait très bien. Et on voit le mec qui disait, le mec qui a fait le snap pour rigoler. Donc tout ça c'est à cause de lui, hein. Après, je pense pas qu'il a su que ça allait prendre une ampleur pareille. Cette ampleur. Donc peut-être c'est ça, mais je crois sûrement qu'il. Donc c'est parti loin, hein. C'est parti voir les flics, la justice, les médias, tout le monde s'est intéressé à ça. Quand je vous dis c'est parti loin, c'est parti très loin. Et c'est aujourd'hui, le 31 octobre, à 22 h, et je prie pour que c'est faux. Voilà, je sais pas quoi dire, évite, partagez ça au maximum pour prévenir les gens que. Faut pas qu'ils sortent tard le soir, qu'ils prennent des risques. Fêtez même pas Halloween si d'habitude vous le fêtez, là, évitez. Ou sortez, mais pas trop, pas très tard. Et évitez les quartiers où. Évitez les endroits sombres, etc. Voilà. Voilà, c'est une vidéo pour vous prévenir. C'est une vidéo pour vous mettre au courant. Comme ça, vous faites très attention. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Vu que j'ai pas fait de vidéo lundi, normalement, samedi, il y aura une vidéo normale. Si tout va bien. Et puis voilà, sur ce, je vous dis ciao. Bye bye.